Bonjour à tous, nous sommes jeudi 17 décembre et c'est parti pour une petite vidéo à Lidl. Arrivage spécial bricolage et il y a quelques vêtements de travail. Donc vous êtes bien sur la chaîne Mes Secrets de Nana, je suis Razika, j'ai oublié de me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Et à me mettre un petit pouce du sens que vous voulez. C'est parti avec cette perceuse visseuse à percussion sans fil. Elle est à 139 euros. Il me semble que c'est la première fois que je la vois. Enfin, il y en a eu des perceuses percussion, mais pas comme ça. Vous voyez, c'est dans une mallette. Super mallette d'ailleurs. Donc il y a deux batteries et chargeurs. Il y a de nombreux accessoires et, 60, et un set de 60 accessoires. Ensuite, on a un perforateur burineur à 44,99€. Pour le béton, la pierre, le métal ou le bois. Alors celle juste avant, la mallette juste avant, j'ai vu, vous pouvez aussi voilà, percer dans le bois, dans le béton, sans pierre et dans l'acier. Enfin là, c'est le diamètre de perçage. C'est vrai que, en fait, ce que je vous dis à chaque fois quand je vous présente ce genre d'article, il y a perforateur burineur, il y a perceuse percussion, et ça va être selon ce que vous allez percer. Après, évidemment, si vous allez percer une fois dans l'année dans du béton ou des choses comme ça, donc essayez de voir autour de vous s'il n'y a pas quelqu'un qui peut vous prêter une perceuse. Mais c'est vrai que si vous faites souvent des travaux ou que vous en avez besoin pour refaire toute votre maison ou appartement, je pense que c'est mieux d'investir. Mais il faut investir dans le bon outil. C'est comme ces histoires de robots, pâtissiers, etc. Il faut vraiment savoir ce que vous allez faire avec pour pouvoir investir dans le bon produit. Meuleuse d'angle, 24,99€. Barrette porte-outil magnétique, 8,99€. Donc c'est un lot de 3, il y a 3 tailles. Rallonge électrique, 11,99€. On a des chaussures ou bottes, 21,99€. Donc chaussures de sécurité S3 en cuir. Ensuite, on a une ponceuse pour murs et plafonds. Elle est à 79,99€. Diable en aluminium. Donc, il se replie, charge maximum 100 kg. Pour le transport des caisses, de bouteilles, de cartons, de déménagement, de valises, etc. Il est à 21,99€. On a de la peinture blanche, 11 litres, 16,99€. Le set d'outils de peinture, 7,99€. Donc il y a le rouleau, les pinceaux plats, la grille. Les petits rouleaux, ça c'est bien pour faire les contours de porte, etc. 7,99€. Les genouillères avec gel, 5,99€. Pareil, ça c'est très pratique hein, si vous bricolez occasionnellement. C'est bien, ça permet de mettre ça quand vous êtes à genoux. Ça évite d'avoir des douleurs après. Dévidoir et ruban adhésif, 4,99€. Donc on a 6 rouleaux, ou bien, ça aussi c'est pratique, le dévidoir. Moi j'en ai un depuis très très longtemps, alors je m'en sers pas tout le temps. Mais c'est vrai que quand je dois refermer un carton, ou des fois entourer mais justement les cartons pour les jeter, ou des choses comme ça, bah c'est très pratique, 4,99€. Tapis anti-poussière, 2,99€. Lampe de poche LED, 6,99€. Les piles rechargeables, 3,49€. Alors je me souviens plus s'il va y avoir le chargeur ou pas. Donc il y a plusieurs tailles. Hein. Les rubans de masquage, tiens, si vous devez faire de la peinture, 2,99€. Ruban adhésif toilé, 2,99€. C'est vrai que ça tient très bien ce genre de scotch. Colle enduit ou rénovateur, donc réparation de joints entre les carreaux de céramique, de faïence et de mosaïque.
On a l'enduit de réparation, si vous avez des petits trous, etc. Enduit de réparation, et on a dit qu'il y avait, voilà, la colle de montage aussi, 1,99€. Maintenant aussi, on a de l'enduit de réparation des revêtements muraux en fibre de verre. Alors ça, c'est si vous avez de la fibre de verre au mur, c'est des grands rouleaux, en général, c'est des petits carrés, des petits carreaux. Et c'est vrai que quand on a un petit trou dans le... Moi, je suis pas du tout, j'aime pas du tout la fibre de verre. C'est joli, mais bon, voilà. Je préfère la peinture ou le papier peint, mais et en plus, c'est vrai que c'est difficile à réparer. Ruban adhésif, le lot de 3, 2,99€. Les patins, super pratique, 1,49€. On a plusieurs tailles. Bon, après, les couleurs, bon... Chacun... Bon, c'est vrai que si on a une chaise blanche et qu'on a du marron qui dépasse, bon, voilà, mais... Alors j'ai vu qu'il y avait du... Non, il y a du beige et du marron. Il y a aussi ça, le petit patin comme ça, avec le petit clou. Donc ça, c'est pratique hein, pour mettre sous les pieds des meubles, des tables, etc. Ce qui est bien, c'est qu'après, ça va vous faciliter, surtout quand vous faites le ménage, à pousser tables, meubles, etc. Sans endommager votre sol. Ensuite, t-shirt. Alors, on a aussi des pantalons de travail, je vous les montrerai à la fin. T-shirt homme, 9,99€, le lot de 3. Donc, col V ou col rond. On les a en noir, en blanc et en gris. Au niveau des tailles, je vois du M. Je crois que ça va du jusqu'au XL. Donc, il y a du L. Il y a du S. Je vois du S, M et L. Les boxeurs. Pour homme, 6,99€. Donc là, du coup, on voit, je vois du ML XL. Il doit sûrement avoir du S quelque part. Donc il y a plusieurs coloris. Les chaussettes, 5,99€, le lot de 7 paires. Les débardeurs à fines bretelles pour les femmes, 7,99€. Donc on a du noir, gris et blanc. Et on a deux verts et un noir. Donc 95% de coton, 5% d'élastane. Donc il y a du S, M, L. Il doit y avoir du XL. En général, chez Lidl, on trouve du 34-36, mais parfois du 36 jusqu'au 46. 44-46. Ça dépend des modèles. Soutien-gorge à armature, 7,99€, le lot de 2. On a aussi... du noir et rouge, du rose et du bordeaux, on a du blanc et du gris. Hipster, 7,99€, le lot de 5. Hop, il y a plus de lumière. Je voulais voir en fait la qualité, ce que ça donnait. Donc ils sont 95% de coton, 5% d'élastane. Donc il y a noir et rouge. Il y a le bleu, les bleus, et bordeaux et rose. Les chaussettes, 5,99€ le lot de 7. Donc il y a soit du noir, soit du gris, rose. On a des sockets fines, 5,99€, il y a 20 paires. Donc c'est vraiment tout fin, si je dis pas de bêtises. C'est un peu, vous savez, la matière des collants, hein. Donc c'est vraiment tout fin, tout fin. 5,99€, il y a 20 paires. Je vois qu'il y a du noir, mais je vois aussi qu'il y a du... Enfin, couleur nacrée. Après, il y a des mini-slips. 7,99€. Je vous montre la différence, parce que juste avant, je vous ai montré les hipsters, et là, les mini-slips. Donc c'est pas les mêmes, hein. Vous voyez, ceux-là, ils sont beaucoup plus larges à ce niveau-là. Ils ont de la dentelle, plus de dentelle que ceux-là. Donc 7,99€, pareil, les 5. Après, c'est vraiment une histoire de goût. Il y a même, tiens, il y a même les slips. Mais c'est encore autre chose. Ah, c'est, non, c'est les mêmes que ceux-là. Après, on a des débardeurs pour les filles. 5,99€, donc on a du 6-8 ans, 8-10, 10-12,
des leggings, le lot de 2, 4,99€. Pareil au niveau des tailles, hein, ça va aller du 6,8 au 10,12. 12-14, voilà, je me disais bien, la plus grande taille, ça sera du 12-14 ans. Ensuite, les hipsters pour les filles, 3,99€. Pareil, hein, au niveau des tailles, on ira jusqu'au 12-14 ans. On commence du 6,8 au 12-14. Il y a 4 hipsters. 95% de coton. Et sinon, on a les slips. Toujours pour filles, hein. Moi, j'ai du mal des fois à reconnaître les différents, surtout quand c'est emballé comme ça. Alors, quand c'est ouvert, ça va, mais quand c'est tout accroché, j'ai du mal un petit peu. Chaussettes, 4,99€ le lot de 7 paires. Ensuite, on a les boxers pour garçons, le lot de 3 à 4,99€. Donc, ça va aller pareil jusqu'aux 12-14 ans. Les chaussettes pour garçons, le lot de 7 à 4,99€. Ensuite, on retourne du côté bricolage. On a les vestes reversibles en molleton. Alors, c'est pas du bricolage, mais vêtements hommes. On a celle-ci, 19,99€. Et on a en bleu aussi. Elle est plutôt pas mal. Et en fait, de l'autre côté, on peut changer de couleur. Et la noire, ça donne ça. Avec la capuche. Les fameux pantalons de travail, 16,99€. Donc, on a plusieurs couleurs. Embout et cliquet, 8,99€. On a les embouts et forêts dans une petite sacoche comme ça, à 6,99€. Les accessoires pour la meuleuse, 3,99€. On a la mallette de rangement, 2,99€, mais elle peut aussi servir, tiens, pour les scrapeuses, pour ranger tout ce qui est matériel de scrap. Alors, j'ai vu aussi, c'est tout autre chose, une personne qui avait utilisé cette petite mallette pour ranger tout ce qui était jeux pour Playmobil ou Lego. Vous savez, les petites pièces, hein, c'est vrai que chez Playmobil, il y a les petits casques, les petits machins et tout et tout. Donc, elle les avait mis là-dedans. Je trouve que c'était une bonne idée parce que quand son fils cherchait quelque chose, donc il avait une vision sur tout. Et surtout que les petites pièces, eh ben, en fin de compte, ça a tendance à... qu'elle tombe, elle peut aller entre le pied de deux meubles, elle peut aller entre, je sais pas, vous savez, derrière les plaintes, enfin voilà quoi. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Forêt SDS, 4,99€. Alors il y a plusieurs modèles. Hein. Les roulettes, 5,99€. Alors moi, j'ai souvent vu des personnes les mettre sur leur table basse, sur certaines tables basses. Et je trouvais ça pratique parce qu'après, dès qu'on voulait bouger la table, on pouvait la bouger. Alors le mieux, si vous le faites, c'est de prendre des freins, roulettes avec les freins. Mais je vois qu'il y en a, plusieurs, il y a même ceux-là aussi. Roulettes pour meubles, vous voyez. Donc il y a les roulettes pour transport et les roulettes pour meubles. C'est pratique. Bon, après, ça n'empêche pas que vous puissiez mettre ça sur les meubles, mais c'est vrai que celles-ci sont plus esthétiques. Les supports roulants, vous pouvez mettre aussi votre table basse là-dessus. Support roulant, 9,99€. Donc il y a la rectangulaire et la ronde. On finit par les gants de travail à 6,99€ la paire. Voilà pour cette vidéo bricolage, j'espère qu'elle vous a plu. Je voulais juste vous dire qu'ils avaient remis des Monsieur Cuisine Connect à Valenton, donc si ça vous intéresse, ils en ont remis. Voilà, plein de gros bisous, un très bon jeudi, à bientôt.